Oui, salut tout le monde. Du coup, on se retrouve aujourd'hui bah, pour Temtem avec Mana. Petit live de bonheur. Du coup, on prend la suite de bah, la suite de Kiriwa, hein, tout simplement. On balance en plein écran. Et on va retrouver Mana. Et ça, voilà. Impeccable. Je vais regarder ce qu'il y a de nouveau dans la boutique. Ah, des emojis de merde. La boutique. Même pas où on est dans le season pass. Un banc d'angle ou un tapis bleu? Hein? Un tapis bleu cochonnet. Quoi? Dans la boutique. Un tapis bleu, lol. Donc niveau 13, putain, on va débloquer un bonnet. Peter Pan. Niveau 16, un hologramme. Niveau 18, des teintures. Mon dieu, il y a des costumes, ça fait peur, hein. À la fin, il y a la tenue de chevalier. Un bon pour changer de nom. Des émotes. À un moment, quand t'arrives jusqu'au bout, quoi, que c'est intéressant. Hein. La tenue de chevalier, ça peut être sympa. Bah, voilà. Bon, on s'était arrêté où là? Ah oui, il faut aller Ah, à gauche faudrait de la map. une panzani. Bah, attends, nos Temtem sont bons? Ouais. Je regarde des fois que. C'est vrai que maintenant on peut escalader. Ouais. Oh, ça brille, il y a un coffre là, je suis. Ah ouais, mais je suis pas au bon endroit là. Non. De côté. Oh, ah oui. C'était ta caisse de Ouais, pareil. déjeuner là. Bon, je vais le mettre tout de suite. Moi, j'ai eu un mob qui s'appelle Ah oui. Il est joli. Un petit renard là. Magnifique. Par contre, c'est où est-ce qu'il se met? Voilà. Vous avancez les cartes, hein? Ouais. Plus. Escalade. C'était là. C'était là. Il y a une casa là. Hauteur de Kilima. On peut se faire là. Mais oui. Ah merde, c'est moi. Le périphérique est fermé. Okay. Heureusement, le périphérique. Okay. Bon, bah, je pense qu'on va devoir débloquer le téléphérique. Oui. Bon, Il ça dit pique. c'est à cause des hostilités.
Et... Attends, on peut pas passer là. Non, on fait faut passer par en bas. Ouais. Par contre, je te vois de TP. Ah ouais? Ouais. C'est bon, il est où je suis? Alors, ah, si tu me dis ça brille là où t'es, je te crois, mais par contre, moi, Théo, t'as pas bougé. Ah ouais? Ouais. Merde. Ah, là, y a... Oh, ah oui, je voulais genre stepper, oui. Bah, c'est toi. T'as pris le... Ouais, j'ai pris. Ah, là, là où je suis, ça brille, mais... Du coup... Okay. Tu peux pas vraiment le voir. Ok. Au bout du pont. Ouais, ouais, il y en a un tout en haut, tout en haut, tout en haut du pont. Encore. Ah, un tout net en plus. Un phare ou... Louper celui que je cherche. Oh putain, j'ai... Et un lion. Aïe. C'est marrant, je te vois de TP, c'est... À gauche des ponts. Ah, Scarabouette, putain, il est bon en plus, hein. Chef Omiji. Histo. En avoir un sur toutes les pages, hein, des sticks. Ah merde. Je suis arrivé en haut, ça me met en attente. Yes. Oh. Ouais, colle. Colle les stickers, colle les stickers. Pas l'air d'être ici. Tant il vu sur le champ. Tiens, Malagik. Si j'avais une liste de personnes que j'attendais, que je m'attendais pas à voir aujourd'hui, vous seriez entre Endera et la Reine des Abysses. Ça faisait longtemps. Que faites-vous à Kiziwa? Et Kiziwa, son frère, lorsque nous avons vent de la situation à Kiziwa, les gardes de Tukuma ont décidé d'intervenir. Bienvenue au quartier général provisoire de la brigade des volontaires de Tukuma. Tukuma, je sais pas.
Nous sommes ici pour aider Kiziwa à retrouver la liberté. On est en guerre. Oh putain. Pas fort, je ne vais pas cacher. Nous avons perdu trop de temps sur la route des îlots de Miwungu. Alors que nous avons réquisitionné un dirigeable pour transporter les gardes depuis Quetzal. Mais tout ce n'est pas passé comme prévu. Pour une fois, je suis sincèrement heureux de vous voir, vous pourriez nous être utile. Le plan initial était de venir renforcer les défenses de Vumbi, mais l'embargo aérien du Balesto nous a obligés à nous diriger vers le sud. D'énormes bourrasques nous a fait dériver par-delà les collines, et nous sommes retrouvés ici. Nous avons établi notre camp, le pavillon Uru, en attendant de nouvelles résistances. Les nouvelles de la résistance. Le problème, c'est que je ne suis pas certain que les agents de lésion de la résistance sachent que nous sommes ici. Je vous aiderai. Il n'y a pas longtemps, je vous enfermerai dans une cellule. C'est vrai qu'ils nous ont enfermés, eux. Maintenant, j'ai besoin de votre aide. La vie est pleine de surprises. Sans rancune, j'espère que vous nous aiderez. J'espère que votre aide nous sera très, très précieuse. Nous devons rétablir le contact avec la résistance. Nous avons aperçu leur camp à Unpanzani depuis les airs. Il se trouve au sud-ouest, derrière les montagnes. Nous ne disposons pas de pistolets gravitoniques comme vous, alors nous sommes bloqués. Si vous pouvez vous faufiler entre les lignes ennemies, déjà ça 2 minutes, et dire au Kiziwan de venir nous chercher, nous en serions très reconnaissants. En attendant, mangez un bout, prenez donc un peu de repos, vous êtes en sécurité, je vous donne ma parole. Je m'en occupe. Mais attention, oh putain, merci de votre attention, je vous présente, elle est mon invitée. Ok, ouais. Super. Je... Ah bah voilà là, là. Ah là tu vois ça peut être pas là. Ouais, là c'est bien. On peut soigner. Pourquoi je soigne, Ouais vas-y soigne. Ouf. Dans le doute. Pas grand chose. Là, ouais. Si a accepté la quête. Bah non. On va parler d'un grand écran. Où est Kaish? C'est quoi ça? Maintenant, je me demande si c'est pas un défi. Bah ouais, mais tu réponds où? Ah bah alors là. Moi je veux bien que ce soit un défi, mais. Tu m'en poses des questions. Hein. Ah, ok. N'hésitez pas à revenir nous voir dès que la situation sera établie pour en profiter en parlant du téléphérique. Ok, ok. Faut qu'on va à gauche, à droite. C'est la porte la plus proche. Alors on est où? Voilà, ça a pas l'air d'être ici. Allons non, voir à gauche. Faut la voir, ouais. Je passe à la télé.
Oui, une caméra avec des lights. Ouais, j'ai une discussion. On fait une pause. Bon, on l'a pas déjà croisé, elle. C'est ça? Ouais. Je sais pas du tout. Lui, c'est la doublure. Ouais, ça a l'air. Hein. Oui. Ah, ok. Bon, je pense qu'on va avoir une quête. On a refait cette scène 37 fois. Courage. C'est bon, on finit vite, ça, tu m'étonnes. Je préfère un sport d'un documentaire. Documentaire. On est assez cruel. Nouveau maquilleur, waouh. Ouais. Pas trop tôt, c'est un maquilleur, je suis con. Ta tête me dit quelque chose. Oui. T'as ici, on l'avait croisé sur le bateau. Ah ouais, sur le Narval. Dit que je me rendais sur mon dernier tournage. Ok. Le diable avait eu un terrible accident. Mais non. Ouais, on a trouvé des connaissances surtout sur ce tournage difficile. Et vous allez y arriver. Oh, t'es adorable. Merci. Et à complimenter. Et pas l'autre qui galère. Ouais, c'est fait enchaîner des coups de malchance, waouh. On s'est au pavillon de Nuru. On va réserver. Et ok. Ouais. Ah, c'est rien réaliste et sans fake. Il faudrait que je joue dans des films fantastiques, du coup, et des drames historiques, intellectuels, ne se vendent pas. Bon. Je l'ai perdu. C'est pas faux. Derrière nous, mais c'est Belle Toto. Débarqué. Oh, il va falloir qu'on retrouve le. Voilà, l'acteur principal. La méthode, mais en gros, voilà où elle voulait en venir. Ok. Tu nous aiderais. Mais... Ouais. Il y a des récompenses là. Et c'est vrai qu'on pouvait compter sur toi. Merci. Et ça va aller il y a à peine 5 minutes. Ce pauvre bougre. On parle. J'ai mouru mieux tard que jamais. À l'intérieur, on demande un exemplaire de scénario. Ok. J'ai votre nouvelle vedette. J'avais pas besoin d'une nouvelle vedette, j'ai besoin d'un bon film. Le tournage aurait dû être terminé depuis plus d'une semaine. Allez, l'exemplaire du chaneux. Mais qu'est-ce que. Bon, tant pis, tenez, prenez le mien. Je veux bien lui céder tout ce qu'elle veut, tant que ça me coûte rien. Ah, si, ça va te coûter. Hein. Et... On prend cher. Hein. C'est tout bon. Qu'est-ce qu'il faut faire pour se servir ici? Apportez-moi un whisky de Lockberg, double non triple. Voyons voir, ce script est énorme, je n'aurai jamais le temps de le lire en entier. Il faut que je trouve quelqu'un qui le connaît pour m'aider. Oh, balade. Pour la énième fois, EP, ne pouvez pas jouer dans le film, on n'a ni le temps ni les moyens, désolé. Votre vedette y tient.
Vraiment, bon, ça m'étonne pas. Vous avez le script, très bien. Alors écoutez attentivement. C'est une adaptation du célèbre roman Kiziwan, Trahison à Kilima. Ok. L'intrigue se déroule il y a 3 siècles de cela, à l'époque de l'unification de Kiziwan. Le personnage principal est une mystérieuse espionne interprétée par Vizesia, partagée entre sa loyauté envers Chacha Tourei et son amour pour un prince de Nizan. Dans la scène qu'on va tourner, le Sheikh Boadil, on va dire ça comme ça, interprété par vous, vient retrouver sa bien-aimée, mais elle découvre dans les bras de l'officier Touré, interprété par Zuri. Ça, ce sont vos lignes, je joue les autres. Amen. Amen. Allez dire à Chacha que les Vulbiens acceptent nos conditions. Nous avons unifié Kiziwa, officier. Oh, quel bonheur. Nous sommes enfin seuls et nique le peuple. Pourriez-vous répéter? Que vois-je? L'officier, blablabla. Enfin, c'est terminé. Mon devoir est accompli. À présent, je m'abandonne aux bras de mon ami. Quelle trahison! En fait, là, tu refais le dialogue du... Ouais. Oh, Baudil, mon amour, détournez-vous. Ce n'est pas ce que vous croyez. L'officier s'approche et dégaine une temtem card, geste menaçant. Officier équivalent à un espion d'Onisien. C'est moi, Madagika. Dégainer une temtem card, je suis Baudil. Dégainer une temtem, non? Ouais. Non, pas du tout. Ah oui, c'était quelle ligne déjà? Ah oui, pardon. Ah bon, à mon avis, c'est ça. Ouais. L'officier envoie Temtem et déchaîne sur le grand chèque, tandis que la hurle de Terrier en arrière-plan. Il lui faut dégainer la thème carte, je crois. Waouh. L'officier envoie thème carte, déchaîne sur le chèque, combat le chèque, tombe dans le sac. Adieu, mon amour éternel. Parfait. Il s'ennuie, l'officier tente de la rattraper. Elle arrive sur la hauteur de Kilima. Elle prononce une tirade émouvante, le cœur brisé, avant de chuter vers une mort certaine. Épilogue, Chacha Touré prononce un discours sur les héros disparus. Ah. Enfin bon. C'est une autre scène, ça ira. Oui, justement, ajouter quelques notes. On va ruiner le film. Alors mettez-vous en place. Scénario à noter. Voilà, bah, on a gagné quelques bricoles. Bon, maintenant, il n'y a plus qu'à jouer la scène. Oui. Bah, vas-y, je te laisse. Ouais. Après, ouais. Ouais, j'ai tout mémorisé, parfait. Mon costume, va le chercher. Oh. Quoi? Attends, c'est lui, là? Ouais. Je suis Babou de Kenny. Oui, très bien, allez. Vous avez reçu Turban. Attends, faut mettre le turban. Je pense, hein. Faut qu'on mette le turban. Non, c'est un truc pour les Poké. Les Temtem, ça. Bon, bah, tant mieux. Allez, bon courage. Merci. Scène 13, première et action. Soyez honnête, où votre loyauté repose-t-elle? Dans la cause de Chacha Touré et la liberté, ou auprès de la canaille de Denizan? Il nous verrait volontiers échouer s'il obtenait ainsi vos faveurs. Oh, Midian et Corne, me voilà face à mon destin, le cœur déchiré entre l'amour pour mon peuple et l'amour pour mon bien-aimé. J'ai comme pas les deux textes. Bizarres belliqueux, hein? J'ai pas les textes, moi, qui s'affichent. Ah merde. Ah, c'est pas grave. Alors, que dites-vous? Écoutez donc le tambour de guerre au loin, il délivre le message de la victoire à travers les plaines, c'est fini. Laissez-moi ma sœur. Merde. Que vois-je? Un bien-aimé dans les bras d'un autre? Oh, mon cœur explose. Reste enfin le repos, mon devoir est accompli à présent, je m'abandonne aux bras de mon amour. Quelle trahison. Oh, Baudbill. Mon amour, détrompez-vous.
n'est pas ce que vous croyez. Et voilà un espion de Nizan. Frappez le tibia. Frappez le tibia. Aïe, mais ça va pas. Mais les pires trucs, vas-y. Mais c'est n'importe quoi. Est-ce qu'on peut se concentrer une seconde? Éviter les gaffes à l'avenir. Allez, on reprend du début et action. Merde. Frappez le tibia. Merde, on va tout recommencer. Mais moi, je me vois pas en plus. Ah bah oui, moi je suis en attente de Madame Geek. Arrête, tu vas me dire que le jeu il a crash là? Oh, je le ferme, attends, je le relance. Putain. La com, des fois, elle bug. Hein. Ouais. Truc de ouf. C'est vrai qu'il met pas 10 ans à se lancer, mais. Heureusement. Là, il me dit, moi je vois pas le texte, donc du coup, en fait, c'est que ça va être planté. Oui, des chances. C'est marrant de pouvoir faire ce jeu en coop, mais pas marrant quand il bug. Hein. Oui. Bon, après, c'est pas souvent. Oui, ça va, ça reste. Un coffre à gauche et un coffre à droite aussi. Et à droite, il y en a aussi. On fait les crabes sur les murs là. Bon. Je te laisse refaire la scène. Hein. On est reparti. Hein. Ouais. Alors, après. Donc, ouais. À toi? Ah, merde, attends. Ah oui. C'est pas grave, Vela. Ouais, bah attends. Je laisse m'inviter. Comment on fait? Que bouille. J'ai première réponse. Ah merde. Allez dans les amis. Tu fais ami, tu cliques sur le pseudo et tu mets cop. Ok. Pour inviter. Et... Ouais. Courage. Bon courage. Scène 13, première action. Mais non, mais j'ai plus les dialogues. Oh putain, merde. Mais c'est quoi cette merde? Vas-y, fais-les comme il faut, on va voir si ça marche. Alors, donc c'est honnête. Ah. Ouais, bon, ça on l'a eu tout à l'heure à cause de Chacha Touré et la liberté. On l'a eu le scénar, hein, juste à remettre les trucs dans le bon sens. Ouais, c'est moi. Courage. Un ami dans le bras d'un autre, reste enfin le repos. Bon, quelle trahison. Trompez-vous, c'est pas ce que vous croyez. Et voilà un espion, ah faut pas lui frapper le tibia. Ah. Temtem prêt ou je... Pas Temtem prêt. Ça va pas. Ah. Et c'est n'importe quoi, merde. Dès que j'hésite. Un mec. Ah mais là ça va refaire la même chose. Ça m'a refait bugger, non? Ouais, ça m'a refait bugger. Oh merde. Ah oh, bah je pense qu'on va passer la scène chacun de son côté. Et... Ouais, ouais, on va faire ça. Ça bug, ça bug. Ouais, peut-être des trucs où t'es obligé de faire solo et qu'il y a deux, ça plante. Voilà, c'est un bug du jeu qui a pas été encore patché. En dessous. D'ailleurs, on m'a dit que c'était un level de pêche, le truc à la coil.
Le quoi? Le truc, c'est dans la maison là. Ah ouais. Okay. Ouais, désolé, moi je viens de mettre un coup. Je te peux pas manger faire, ce mec. Bilbo de Zadar. Au pied de mon tambour, sauterelle. Bas bleu, bouton bouille. Oh vite. Ah mais faut que je recommence. Oh. Quand j'ai quelqu'un implique, il va falloir le refaire, ouais. C'est dans la boîte. Ah. Il est bien ici. Ouais. Merci. Voilà. Impeccable. Tu me dis quand t'as fini, je t'envoie la. Ah, c'est bon. Bah allez. Bah voilà, voilà. On va en arriver ici cette quête. Maintenant, il n'y a plus qu'à. Bah, traverser les machins. Ouais. Ça va me manquer, ça. Enfin, je lui fais aucun dégât. Ah, moi je lui fais mal. Bon bah ça va. Ok. On attend. Scanner celui-là. Et vous, à distance. Donc, vous arrivez de cette direction et vous n'avez pas l'air de venir de Tukma. Montez-vous avec capacité. Aston. Bon, allez, je suis. T'es prêt. Ça va être celui qui est en face de moi. Oui. Que tu vas lui faire du dégât. Ah bah vraiment. Je m'attendais à mieux. Oui.
qu'on veut, hein. Oui. Je me soigne, je laisse achever l'autre. Et après, suivant qui mettra, je vais faire un orage. En fait, t'étais pas obligé de lui mettre un gros sort. Il y a encore un autre Temtem derrière. Ouais, quand ils ont pas beaucoup d'HP, autant mettre une. Sur moi. Ouais. J'ai bien fait de me soigner. Encore. Voilà, je vais rien faire. Bon, jette. Non. Lui, tu lui aurais mis gros sort par exemple. Mais bon, c'est déjà bien. Là, on... faut reprendre le coup. Ah merde, avec une carte. 712. Pas mal. Code double jaune. Ennemi sur la corniche 0 step 0 contact. Je vais te faire le cristal là. Le turbine. Quand même de belles animations. Ouais. Perceuse. Descendre. Par Dieu, au bout de... Ouais. Oh, il en a qu'un. Lui, on m'a dit, il était fort. Ouais. Mon collègue là-bas qui a poncé le jeu sur Xbox, il m'a dit, ah, moi j'ai lui, il est super fort, il défonce tout. Ouf. Oh.
Ah ah, la tech qui a rien fait. Ah, j'ai une qui veut apprendre sacrifice. Ah, un certain, ouais. Alors, certains temps sont prêts à accomplir des sacrifices ultimes afin de disperser les états affectés des autres tentam. Ah, c'est de la merde. Ouais. Un Ganki, je l'avais déjà. Et c'est déjà... C'est... Je sais pas combien de fois j'arrive à choper des doubles. Ouais, celui-là. Je suis triste. Et j'espère qu'on peut les échanger quand même, les doubles qu'on a. Mais bon, le bouquin de Totokona, j'aimerais bien le compléter. Mmh. Soit en bas, soit en haut. Faut aller en bas. Non, je crois pas. Ah. Que... Ah, voyons, forcément, il m'a pas acheté ici sans. Allez. Il belles auto. Voilà la tire. Wesh. Alors là. Une de patinage. 100 merde, putain, il m'a mal payé. Ouais. Oh, t'as une carte plus plus. On pourra pas aller plus loin. Ouais. Ranger du Belzoto 2, le bleu rouge rebelle localisé, affirmatif, ça n'atteindra pas une Tanzanie. Parle, on va encore lui rouler dessus. Boy. J'attaque celui en face de toi. Ok.
hein, sur le... Ouais. Essaye d'empoisonner celui que t'es en face, là. Si tu peux. Ouais. Oh, x4 oh, oui. C'est plutôt pas mal, hein. Vraiment qu'on fasse gaffe au type, qu'est-ce qui contre, qu'est-ce qui attaque. C'est pour ouais. Ça faudrait connaître à peu près tous les thèmes. Mais il y a une évolue. Là. Oh, il est trop stylé. Satan. J'ai pas eu l'animation. Des fois je l'ai, des fois je l'ai pas. Gagné 198. Bon, ça devrait aller là. Oh putain, c'est gros machin. Ouais. C'est un PV. Attends, mais je peux pas, moi. Pas à rack. Ah ouais, bah moi non plus. Bah tiens, vas-y, 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 prends-le. Allez. Ouais, je regarde, mais parce qu'on a la sous-évolution, nous. Ouais. Il est caféiné. Ah, toujours pas vu de Luma. Oui, c'est vrai. Nidrasil, hein. Ouais, bah. Oui, en plus, je suis en vert. Hein. Ah, pas loin, hein. Ouais. Une fois deux, au presque. J'ai une brûlure. Et. Ah, mais. Mon KO. T'as plus que toi, Rémi. Ouais, non, mais. Ah, t'as plus de. Soit je change la team, soit je les soigne tous d'un coup. Là on poisonne avec l'autre et puis finit le ouais. Avec le feu là. Le poison c'est pas mal ça. Ah, deux tours empoisonnés. Ouais. Wow. Et... Ouais. Quand l'autre c'est un poison gros. J'ai une auto-guérison, ouais. Ouais. Un peu plus quand même. Ah, fais gaffe, t'as plus de...
Ouais. Repose-toi. Soigne-le. Ah, il va t'empoisonner. Ah, mais t'as mis un... T'as une guérison avec le poison. Ouais. Ouais, c'est dès qu'on t'empoisonne, tu guéris. Soit passe ton tour, soit... Ça lui fait pas trop d'effet. Hein. Ouais. Bon. Bon, ça te fait rien, ça. Ouais. C'est plutôt bien. Mais tu te guéris à chaque fois. Repasse un tour à la limite, non? Ouais. Après, il n'y aura plus qu'à taper. Je vous reste plus aucun tempo. Là, il va te sacrifier tout seul. Hein. Encore une attaque, allez, ça passe. Voilà. Enfin. Écoute, il est énorme ton tempo. Je vais utiliser le soin. Oh, ouais, moi aussi. Fiole de témérescence. Défonce le pion. C'est bien ça, vraiment. Ouais, franchement, ouais, c'est pas mal. Ouais, pas de cadeau. Hein. Oui. Oh. Oh, l'évolution de mon baboum. Oui, stylé. Un séisme maintenant. Je sais même plus sur quel truc, c'est le truc d'XP, je l'ai foutu à quel temtem. Je vais vérifier ça là. C'est pas Nestlé. Non, c'est pas Nestlé. Voile du cougar, c'est... J'aurais peut-être dû le mettre à Tantal parce qu'il a pas de... Il est pas assez élevé. Ouais.
Je crois. Hein. Ah ouais, c'est là. Ah putain. Pas de soucis, je viens me débarrasser. Abandonner, c'est mieux. Mourir, bon bah. What? C'est ce que tu veux. Il est en secret. Oh là là là. Laisse taper le cristal. Ouais. Le Snérotech. Fait une petite attaque. Ouais. Ouais, garde la grosse pour les deux derniers qui vont. Ouais, bah de toute façon, faut que j'attende. J'attende deux tours dans tous les cas. J'attaque peut-être Tesla, non? Ouais, ouais. Oh putain, je lui fais rien. Bah l'autre, je lui fais mal, sinon. Bah, tape l'autre. Oh, d'accord. One shot. Bah, ça lui fait rien. Je passe mon tour. Je sais pas si je vais faire un moment. Normalement, voilà. Oui. Oui. Vive le clan Balesto. 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 Vous avez mis cette fichue bambinelle. J'en ai fini de vous. Je me vengerai, misérable rebelle. Demande combien de pompes fiche bien avec le poivre dans cette guerre. C'est pathétique. Oh mais non, je viens à peine de descendre. Ils sont partout hein. Oh ouais. Oh les pauvres. Bah ouais, un piaf hein. Le courant il passe bien. Oh le pauvre. Je vais recouper ça 5 minutes. Enfin, le but c'est de pex quand même assez rapidement. Vous avez inventé cette bataille. Ouais, bah. Portons la guerre, vous avez gagné 200. Putain. Oh lol. Tu fais XP ça. Mais attends toi. Impeccable. Ouais, je vais capturer le mien.
Je laisse le capturer. Ouais. Et... Iné aussi. J'atterris, pas de campement rebelle. Vous savez comment. Répondez. Et où combat. C'est comme la Team Rocket dans Pokémon. Aussi nul, hein. Je vais taper celui qui est en face de moi. Ouais, moi même. J'ai même plus le temps de voir la vie descendre. Un demi, mais un demi, je lui enlève un quart de vie. Ouais. Il va te taper toi. Wow. Une stratégie étrange. Et taper celui qui est en face de moi encore. Ouais. Toi, je vais lui mettre un stalactite de glace. Ah, j'étais brûlé. Irradiation. Il est en beauté. Je vais le taper aussi. Rien du tout. Je trouve le campement. Droit devant, de l'autre côté du coup. Un peu plus, je jure. Rien, je viens juste d'atterrir, littéralement. Je vais plus être loin du pain d'ami. Franchement. Un petit soin. Ce que je pensais faire, un petit soin. Deux bombes plus maintenant. Ouais. Ça brille. Ah ouais. Sauteur de Kilima endommagé. Voilà. Viens. La baston ça. Oh oui. Ah, le mot de passe. Faut clamber les autos et grotte. Pas de ouf. Passe date de la semaine dernière. Un ancien, mais il reste valide, non? Non, si c'est un ancien, alors il est plus valide. Teubé aussi. Ah, merde. Ah, vous voulez tendre le jeu? Vous la jouez trop sérieux. On parle pas de patin, faut péter dans le truc. Allez. Faut clamber les autos et grotte. Ah, je vais taper celui en face de toi. Ouais. Petit fois 4 là qui passe bien. Dommage que t'es pas one shot toi, tiens. Ouais. C'est vrai que j'ai une brûlure et tout. Mais il est là, mais il est là.
Oh. Au pire, il a un stack. Deux en plus. Nous sommes comment donc 636. Wow. Ah, le temps que je. Alors, c'est quoi le mot de passe? Et un rage des cerveaux. Serbat. Io. Quoi tu viens de dire? Le temps nous a dit d'attendre l'arrivée d'un messager de Nizan. Oui. C'est vous? Ouais. Désigné droit de. Denis est droit devant, dit au garde. Je vais voir le commandant. Vive Kiziwa. Résistant. Elle a trouvé près un commandant. Il pense seul soit loué. Elle n'a pas l'air de faire partie du clan Bezoto. On a toujours la tenue. Hein, mais... Ouais, c'est vrai. Bien. Oui. Oui. Je suis heureux de te revoir. Voici Madagik, une amie de la résistance et du peuple de Kiziwa. Retournez à vos postes, mes amis, je dois m'entretenir avec nous. Alors cette petite randonnée sur les hauteurs de Kiwa, la vue est incroyable, cette période de la nuit, tu ne trouves pas. Bien sûr, en ce moment nous avons peu de touristes, tu as trouvé une chambre agréable au pavillon Naro. Ne tournez pas autour du pot. Ah, c'est Denisant, vous êtes un sérieux. Dans ce cas, venons-en en fait. Tout d'abord, bienvenue à Unpinzani, dernier bastion de la résistance de ce côté des montagnes. Je m'appelle Badru. Je suis le commandant ici. Quelle nouvelle apportes-tu? Brigade de 20 ans est coincée là-bas. Ah, enfin. J'ai reçu un message du capitaine Colli il y a quelques jours, mais depuis plus rien. Je suis soulagé de savoir sain et sauf. Nous aurions bien besoin de leur aide ici. Et Bezolto va finir par apprendre l'existence du tunnel au sud, et ça sera... Alerte, alerte! Mm-hmm. Oh, celle-ci, putain, merde. Calma. Ah. Pardon. Tu me plaisantes. Ma nièce préférée. Ah bah tiens. Vous savez que nous allions nous revoir tôt ou tard, tu as le chic d'attirer des ennuis. Par le loin de ce Hardy, comment tu... Ah, je t'ai déjà dit, ne pas m'appeler comme ça. Mm-hmm. Et regarde ça un peu, ce que j'ai ramené. On a dû leur affustuler avant de partir, mais l'important c'est qu'ils vont. Est-ce que c'est un faux mou géant? Ton sens de la partie ne va pas manquer. La narval vole à nouveau. Parce que j'ai entendu que ma ville natale était envahie par ces satanés Bezoto, mon sang en Afrique en tout cas. Et nous voilà prêts à combattre pour Kiziwa. Que mes ancêtres soient témoins, les Bezoto m'en diront le jour où ils ont croisé la légendaire capitaine du Narval. Ya a dit, laisse-moi te montrer. J'ai dit de ne pas. Je vais vous montrer ma position. Nous sommes ici, à ce point-là, qui voit les belles autos s'emparer du côté sud-ouest et il essaye de passer par le tunnel Vumbi. Je viens de Vumbi, Moussa arrive à défendre le tunnel et à tenir les belles autos à distance. Pour plus pour un temps, sans le pont, nous ne pouvons pas venir en aide à Vumbi. Par chance, nous avons quelque chose que les belles autos ignorent. Il existe un autre passage sous la montagne. Il se trouve ici à Unpinzani. Tu parles de la grotte Chini. D'après mes souvenirs, elle mène vers un désert Tassa. C'est exact. Je suis en contact avec les tribus de l'Ouest. D'après elle, le clan Bezoto patrouille dans le désert Tassa. Mais ils ne sont pas assez nombreux pour occuper toute la zone. Nos amis du désert sont de notre côté, bien sûr, mais ils sont bien trop occupés à défendre leur territoire pour prendre d'assaut les portes. En ce cas, nous pouvons utiliser le narval pour... C'est trop risqué. Les patrouilles Bezoto vont te voir venir à des kilomètres. Je t'en prie, ils n'ont pas hésité à attaquer le narval par le passé. Pas la peine de me le rappeler. Nous devons d'abord nettoyer le désert Tassa avant de partir par là.
les montagnes, mais avant, les volontaires de Toucan ne sont pas assez nombreux pour attaquer de front. Où se trouvent-ils exactement? Au pavillon d'avant. Dans ce cas, je vous laisse, je vais organiser une opération pour les amener ici en sécurité. Je vous laisse aux commandes, les jeunes, vous vous débrouillez très bien. Le vieil enquiquineur que je suis. Laisse tout faire, vieil enquiquineur. Bon, les affaires reprennent, il va falloir se débarrasser. Les parasites dans le désert, on passe la grotte de Kiri pour les attaquer par surprise. On pourrait pas dépasser au bout, mais le narval, si on veut pas se faire repérer. Mais une fois dans la zone sécurisée, nous lançons l'opération Bélier. Ah, on va lui dire cool pour une fois. Ouais. Pas besoin que tu en saches plus pour l'instant, tu pourrais te faire capturer par les... Allez au boulot. Écume le désert et élimine tous les espions Belzotto qui s'y trouvent. Nous passerons ensuite à la première phase de l'opération. Prends ça, cette race utile dans le désert Tassan. Les tribus du désert reconnaîtront cet appel à l'aide ancestrale. Derrière, on suit un tambour de guerre. 8% les dégâts infligés par la technique physique des alliés. Ah, c'est bien utile. C'est moi qui dois l'équiper pour que ton baboune il en profite. C'est pas que je veux pas, mais. Ah, je me vois plus. Je suis toi. Et bah, je me vois que sur la mini carte. Vous passez une porte dans une maison, pire. Ça brille là, en fait. Pas une maison. Ah, on pas le voir. Et que je peux me balader. Et là, ça brille aussi. Ouais. Ah si, je peux l'avoir. On va trouver une maison. Ouais. Ah, un truc, tu sais, au moins pour la map. Ah, c'est soit on va en haut, on descend. Viens, on va faire ça. Comme ça, ça va te TP. Là, tu pourras respawn. Ah, si tu respawn. Non, un peu comme, ouais. Ça brille aussi à côté de la statue. Ouais. Oh, j'ai eu Lord Flank Combat en parfait état. Grand bagnant que j'ai eu. Oh, merde. Un double. Un premier double. Petit à petit, hein, ce bordel. Hein. Ah, ça brille. Ça brille pas. Ah, si, ça brille là, vers l'arbre. Oh, pour un autre magie. Je dirais qu'ils ont cassé le pont. Oui. Les arcs qu'on peut scanner ici en bas. Ah, ça brille là. C'est... Je peux l'acheter dans le shop. Quoi? Ouais, elle coûte 1006. Ah! Ah oui, 1006. Ouais. Transporteur. Ah, mais j'ai que. Et 1000. Un coffre. Je sais pas ça. Air fragrance. X3.
soigne tes Temtem. Bon, puis avant de passer le ouais, la grotte. Ouais. Petite pause. Ouais. Comme ça au moins après on épouse. Oui. Pause, petite pause sans pause. Bon, après moi j'ai le casque. Je peux toujours parler. Tac. Sa magie du sang-fil. Un truc. Mal. C'est pas mal. Il est étranglé par le casque. On s'était lancé en pause. Désolé pour le bruit. Fuyant, bah oui, allez. Oui. Oui. Et qui chante. Ouais, du coup, 2 minutes.
merci, waf. Erreur, Ivo. Erreur. Peut-être acheter 2-3 bricoles. J'en ai 15 dans le sac. Et le cristal fragrant, c'est un peu bon. Là. J'ai acheté que des baumes, hein. Je suis pas embêté. Le reste, je me dis, je trierai plus tard. Pour voir ce que ça vaut. Bon, bah, il n'y a plus qu'à aller dans la grotte. Hein. Allez, go. De compléter ces stickers. Oui. Je sais pas si on l'a dessus. Je sais pas du tout. Ouais. Là, non, j'ai ni l'un ni l'autre. Ah ouais? Ouais. Et bah, je vais attaquer celui qui est devant moi, je fais pas beaucoup de dégâts. Non, non, celui en face de moi. Peut-être tape celui en face de moi. Bah, il est vert, je risque de le. C'est pas grave. On en croisera d'autres. Ok. Je vais faire une petite attaque. Mais... Scunch, moi je l'ai pas capturé. Musclé, augmente de 20% les dégâts figés dans les techniques physiques, c'est pas mal ça. Bah ouais. Attends, on l'a pas vu lui. Oh, ah oui. C'est la dernière évolution des... En attente. Parce que j'ai une discussion assez longue. Ouais, bah, je crois que moi je suis en attente pour un combat. Ouais, ouais. C'est ça. Bah, tu vois, on le revoit. Ouais, on va aller. On va en bouffer. Bah, j'attaque celui en face de moi là. Ouais. Au moins l'autre. Oh, t'es endormi. Oh. Il. Voilà. Là, je vais. On va essayer de compléter le la guérie.
Il augmente son attaque de 8% à chaque tour. Pas mal ça. Ah là, faut qu'on prenne de l'XP parce que. Ouais. C'est pas qu'ils deviennent de plus en plus costauds en face, mais si. Merde, combat. Vous avez direction le désert, je sais que la zone n'est pas sécurisée. Je joue pas les durs, Lina peut faire tout ce chemin. Parce qu'elle sait ce qu'elle fait. J'apprécie l'avertissement. On essaie de faire un temps en ces temps difficiles. Thème prêt, ça vous dit. Changeons les idées, un petit combat, oublions les périls de la route, quelques instants. D'accord. Baston. Essayez de récupérer un peu de. XP et puis d'argent. Oh merde. Je fais mal avec la case. J'ai pas regardé si Nesla elle avait une petite attaque. Pas mal. Je regarderai ça. Après. Tu faisais plus de dégâts avec. Ouais. Oh. Oh, aïe. Allez. Auto-guéri. Heureusement qu'il a ça. Hein. Ouais. Je crois que tu peux le changer, hein. Ouais. Qui prennent un peu d'XP. Tu lui as pas mis le bandana ? Pas celui-là. Je suis brûlé, bon. Carnage de. Je sais pas ce que c'est. Bon, cool. Donc, Seymunch fait une pierre de coup avec cette technique terre qui blesse l'ensemble de l'équipe adverse. C'est pas mal. C'est pas mal, ouais. Le poison et la brûlure dans le jeu, c'est horrible. Je vais lui mettre un petit baume. Et la prochaine attaque. Je fais celui qui est en face de toi. Non, bah il a fait une attaque d'esquive. Il va esquiver la prochaine attaque. Oh. Je suis pas sûr des fois que ça marche tout le temps. Sinon là j'achève les deux ou je me repose. Bon je vais en tuer un. Ouais. Et taper Mouflang. J'achève Wayne. Ah. Aucun dégât. Le furtif ça marche pas tout le temps. C'est comme la glace, comme ça, des fois ça passe pas. Là si tu le tapes, des fois tu vas le toucher.
Avec un peu. Des fois tu toucheras pas. Alors, qu'est-ce que c'est que cette nouvelle attaque? Oh lol. Il a tiré dessus avec les. La glace elle meurt bien. Par contre, je vais regarder si j'ai pas une attaque aquatique là, avec Neslab que je peux lui enfiler. Ça pourrait être bien. Hein. Ouais. S'il en a pris une avant, tu vois. Puisqu'il y a une attaque que je pourrais remplacer. 752. Oh, elle commence à prendre plein d'or. Ouais. Merde. Et Bubule. Aqualam. Bubule, elle fait 5. Aqualam, c'est mieux quand même. 7, hein. Parce que Stalactite, donc les monstres du mob cristal, c'est pas mal. Hein. Je vais laisser comme ça. Bah, on verra bien. Bah, moi je suis prêt. I'm ready. Ça va, il y a un Temtem. Oh. On l'a pas tué là. Pourquoi? Attends, je vais le taper. Yeah. Ça va. Il se régène. Si je lui remets une prison, tu crois que ça va le tuer? Je pense pas. Ah parfait. Vas-y, capture-le. Je prendrai le prochain qu'on trouvera. Après, il y en a plein, va falloir qu'on les fasse évoluer. Hein. Ouais. Niveau à chaque fois, c'est long. Ouais. Ah, tu me dirais. Fatigable. Parce qu'il est renté, Temtem obtient un attaque plus. Il peut continuer à se battre. Oh cool. C'est pas mal ça. C'est trop dangereux. Je prends le risque. Hors de question. Faut que je monte bien bas. J'ai déjà assez de blessés. Fais demi-tour. On va juste écraser. Bah oui. Toi qui vas te blesser. Ah merde. Bon, je sais, là. Moi je peux frapper le cristal. Ouais, ouais. Je vais frapper celui qui est en face de toi. J'ai bien fait de mettre Aqualam. Et tu reprends de la vie. Il a esquive. Là il va me faire mal. Aïe aïe aïe. Oui. Ça va, le tien il se régène tout le temps. Le
me permet de tanker un peu plus. Celui qui à qui tu fais le plus de dégâts. Ouais bah en face de moi. Vas-y vas-y. Ok. Ok à zéro. Par contre lui il va me faire mal. Heureusement qu'il se régène tiens. Ouais, je vais le changer. Hein. Je vais achever celui qui est en face de toi. Donc toi, tu vas me faire mal. Ouais. Mais il me brûle. Hein. Ah, il aime bien me brûler. Hein. C'est énervé, bah oui. Je les réanimerai après. Abuse de ton pouvoir, détends-toi un peu. Ah attends, j'en reste quelques-uns moi. Merde, j'ai que ça me fout. Voilà. Moi aussi. Je suis prêt, un pas, un tempo. Ah, le serpent, on l'a pas pris celui-là. Je crois pas. Je crois que je peux. Je dois pouvoir one shot celui en face, tu veux taper le serpent? Ouais. Vas-y. Une petite attaque. Ouais. Pas loin. Oh, vas-y. Ok. Vas-y, capture-le. Hein. Ok. Je prendrai le prochain, je sais que j'en ai deux à prendre dans la grotte qu'on n'a pas encore. Ouais. Oui, et puis Manu. Il est pas en foudant. Les techniques électricité ciblant l'allié seront redirigées contre le Temtem et leurs dégâts seront réduits de 15%. D'accord. Mal. Après, faut la situation pour l'utiliser. Hein. Ouais. J'ai juste fait demi-tour. Ah putain. On l'a déjà, mais une faute d'XP du coup. Voilà, faudrait taper un petit peu plus fort. Ouais. Ça aurait pu passer. Thank you.
pas grand chose là. Non. Je vais plus bouger, tu vas avancer. Ouais, tape fort. Ouais. Oh non, j'ai même pas eu. Ah, l'hypercut, ça fait mal. Ouais. C'est toi qui m'as fait avancer. Ouais. Voilà, ça va, il y en a qu'un. Ouais. Bon, on gagne quand même 10 pour le pass. Ouais. C'est peu. Hein. Mais bon. Oh, les mines de mythe clan. Il y a eu Lord Ford complète et je crois que je l'ai déjà. Encore un doublon. Il y a deux caisses hein, plus loin. Je vais attendre hein, parce que sinon. Tu vas reculer. Non mais c'est surtout que si t'avances et que je suis trop loin et que je te TP, il va falloir reculer. On est bientôt au bout. Bon, après, on tournera après juste pour les deux temtem qui me manquent. Ouais. Sauf si. Ah bah. Bon, bah. Salut temtem prêt. Hop, là, si tous les dialogues étaient comme ça, ça serait génial. Oh, mais il a pas de chance. Nathan. Tu tapes celui qui est en face de moi ? Oh, bah oui. Oui, niveau 30 en plus, c'est une bonne chair. Ça va, il fait pas de dégâts. Ah merde. La plante. Ah oui, il a tous ses temtem en plus, donc. Oui, oui. Oh, ça. Il y en a 6. Ah, oh, je suis dans le rouge là quand je tape. Oh, mais il a rien perdu. Oh. Ah, il est électrique. Pour prendre la vie quand on l'attaque avec l'électricité. Je te laisse le taper. Hein. Ouais. J'ai pas dû le taper en fait, j'aurais même dû me reposer, tu vois. Ouais. Pas grave. Bah là, je prends celui qui est en face de toi. Je vais taper celui qui est en face de moi. Ouais. Les salami KO. Et l'autre il va pas faire long feu non plus. Ah, la différence de niveau là, c'est bizarre hein, quand même. Bah oui, ils sont oui. Parce qu'elle a quand même 20 niveaux de moins, hein, surtout ces temtem. Bah oui. Même si elle en a 6. Pourquoi tu t'en prends pas à des dresseurs de ton âge, espèce de grosse brute? C'est elle qui m'agresse. Tu m'étonnes. Elle m'a fait revenir en arrière. Et... Ouais. Oui, c'est pas drôle sinon. Ah bah oui. Du tout. Ça il l'attaque de terre. Ouais, bah faut que j'attende un tour.
devrait le finir. Ouais, ça devrait. Il reste le gros caillou du sol là. J'avoue que les animations elles sont top. Vraiment. Ouais. Même pour les petites attaques. Ouf. Ouais, ouais. Bien sûr, sont pas mal. Ça va faire comme la dernière fois, on va passer 10 minutes à essayer de trouver un thème thème. Mais t'en as deux à trouver en plus. Il attaque. Je l'ai pas eu. 44. Mais qu'il avait attaqué avant moi donc. Je peux pas l'attaquer. Je vais lui mettre une attaque électrique. Après, il est niveau 47, hein. Ouais. Ça, ça lui fait pas de dégâts. Mais pas de dégâts du tout. Ouais. Je vais lui mettre un orage. T'inquiète, je tape. Au pire, faudrait que je me soigne. Ça lui fait rien. J'ai une pierre, ça c'est bon. Je vais me soigner. Ouais. Ça fait rien, putain. Faut que tu me soignes aussi. On trouve les baumes plus. Ah, il est plus plus. Ouais. Bon, là je vais lancer une thème carte parce que. Après, je pense qu'il va taper et il va s'enlever de la vie. Ah, parfait. Zizar. Il est parafoudre aussi. Bon bah il reste plus que l'espèce de petit Gecko là. Ouais. Gecko. Ah ouais. T'as fait un crit tout à l'heure. Non non. C'est toi ça. Non, j'ai Waf dans le chat qui me disait ne bouge pas. Oh lol, mais t'es pas obligé, hein, tu sais. On a ce qu'il faut en thème carte ou en thème thème. Après, peut-être pour plus tard, oui. Mais mais tout de suite, non. Oh lol. J'ai Waf qui veut me passer des thèmes thèmes, mais tu vas refuser ton offre, Waf.
tard, oui, si tu veux m'ajouter en ami, quand on aura fini l'histoire, ouais, là tu pourras me conseiller pour des trucs sympas, mais avant, je préfère qu'on découvre par nous-mêmes, tu vois. Bah, je veux pas accepter, c'est pas bien, tu vois. Ça nous pèle. Enfin, surtout, c'est que je les utiliserai pas, ils vont finir dans le PC, quoi. Bah, si tu veux vraiment que j'accepte, mais bon. Ah, à toi de me dire. Oui, au pire, les objets, c'est pour dérangeant, mais... Non, oh, mais même, je préfère quand on a fini l'histoire, tu vois. Ouais, bye. Pas avant, parce qu'avant, ça fait un peu power leveling, tu vois. Ah merde, j'ai pas soigné l'autre. Je vais pas faire beaucoup de dégâts. Oui, Strat, mais bon. Comme je dis, après qu'on ait fini l'histoire, oui. Parce que de toute façon, il faudra qu'on fasse une Strat pour des. Voilà. Des combats plus coriaces, mais en attendant. Qu'on n'est pas à la fin du jeu, c'est pas oufissime. Pour la fin, ouais, je veux bien, mais pour la moitié, on préfère découvrir par nous-mêmes, ce qui est logique. Là, on prend les conseils, les trucs comme ça, mais je prendrai pas des thèses autres que ceux que j'ai capturés. Par contre, moi j'ai une attaque, j'ai sous pression, tu vois. Tu peux la faire qu'au deuxième tour. Ah. Alors, pas retomber dessus, hein. Oui. Bon, on va mettre une demi-heure comme non. Merci pour ton follow. Ah, tu vois. Juste ici là. Bleu. Ah, quand on n'en veut pas, il y en a. Et quand on les veut, il y en a pas. Hein. C'est horrible. Oui, ça va. Le temps comme ça. J'attends qu'il passe 60 et puis je le mettrai de côté. Ouais, bah, monter les autres. Ouais, même dans l'équipe de réserve, ouais. Ils montent bien, les gars. Ouais. Et ils montent plutôt bien. Ah, tu vas faire une start niveau 19. Non, ça va aller, waf, c'est gentil. Je suis avec Mada. Merci de la proposition, c'est sympa. Ouais, moi aussi. Bon. Je tape en face. Hein. Ouais. Après, ma deuxième attaque, c'est jet d'eau. Au cas où. Enfin, j'ai sous pression. Ça, par contre, ça fait mal. Ça fait très mal.
proche là. Il a osé. Même toi, tu leur mets fois deux. Ouais. Oh, le pico, il arrive là. Ah, il nous aime pas. Gunfight. Ah, tu veux du PVP. PVP, je suis pas chaud pour l'instant. Tu me proposes des... Oh, jamais tombé dessus. Tu me proposes des... quoi. Puis Temtem, c'est que... Il va voir ce qu'il me faut en face, donc je refuse lâchement. Pas, hein. Oui. C'est définitif. Hein. Je reviendrai plus tard le capturer. L'animation l'a changé. Elle est pas mal cette attaque. Bon, allez, viens, on sort. On y arrive. Si on y arrive. Ouais, je suis rien du tout. Prochain de jeu, petit pet, c'est quoi ça? Celui-là, il n'y a pas trop de problème. Ouais, on attaque pas. On réussira à s'en sortir, je pense. Peu de fraîcheur, fond là-bas, ok. De fraîcheur. Ah, changement de zone. Enfin. Dans le désert, tu vois où ça nous a mené là? Ah, bah attends, on est sur une nouvelle map. Oh, ouais. Ah non. C'est un nouveau morceau de map, mais c'est toujours la map Kiziwa. C'est ouais, le deuxième morceau. C'est le morceau en bas du désert là? Ouais. C'est moi ou il y a de l'ombre encore? Ah non, c'est l'ombre de la map. Non, c'est moi. Putain. Bah. Oh non. Ah, les zones comme ça. Ouais. Ah bah tiens. Ah bah voilà. Impeccable. Ah, ah, ah. C'est que j'ai tout à l'heure. Mais on n'a pas les deux. Hein. Ah ouais, Aquanox, on l'a pas.
Bah, je te laisse attraper à Cranox. Ouais. Je vais essayer de. Tape pas trop fort. Hein. Ouais. Wouah! Heureusement que j'ai été doucement. Il m'a empoisonné et en plus il m'a bloqué. Attendrissement. Bon, toi ça devrait passer, tiens. Bon, le problème c'est que si je retape, j'ai peur que je le tue là. Constriction. Lorsque Temtem inflige des dégâts d'état empoisonné, on attaque une cible empoisonnée et également piégée pendant le tour. Bah ouais, c'est ce que ça t'a fait. Tellement peu de. Le problème c'est que je sais pas avec quoi je pourrais le taper, hein, parce que là si je le tape avec ce que j'ai, c'est mort, hein, il passe. Hein. Ah non, c'est pareil. Là il faut espérer qu'une thème carte passe et que ça le capture. Après sinon t'as une plus plus, je crois qu'on a gagné une tout à l'heure. Tout à l'heure j'ai paré en cliquant. Ok. On va rien dire. Hein. Ouais, c'est bien, on choppe un autre. Hein. Le problème, c'est qu'ils sont pas. Ils sont fragiles, ouais, hein. Si... Ouais. Là, ils mettent l'esquive, mais. Bon, je vais lancer des thème cards jusqu'à ce que ça passe. Hein. Jusqu'à ce que t'en ailles plus. Non, quand même. Il sera capturé avant, regarde. Oh. Oh non, fait... Oh merde. J'ai un petit peu de décalage. Pas loin. Ouais. Je vais y arriver, on croit en toi, madame. Ah, il m'en reste 24 pour une carte si j'arrive pas à l'attraper quand même. Ouais. Bon, là il va commencer à ça. Bientôt à s'afficher des dégâts tout seul. Oh mais non. J'ai une plus après. Là sa vie elle descend petit à petit à chaque fois qu'il va taper, ouais. Donc éventuellement ça va bien passer. Hop, je prends ça de 4 minutes. Hein. Ah, il a lancé 2000 thème cartes, il l'a pas eu. Il va essayer de nous buter à force. Non mais, je mets une thème carte normale, c'est censé être plus faible que thème carte plus. C'est pas grave si. Et du coup, les thème cartes normales vont plus loin que les thème plus. Oui. Je comprends rien, vraiment c'est. Fais la spy, même si je le tape avec lui, il va prendre tellement cher. Ah, ouais.
enfin. Jackpot. Ah bah, et qu'est-ce qu'il est? Infatigable. C'est la même chose que toi. Lorsqu'il est R1T, il peut continuer à attaquer. Ouais. Il est gagnant. Donc faut que je me soigne là. Ouais. J'ai plus de. Ah, attends, on a débloqué le bonnet dans le pass dresseur. Ah. Tu veux l'équiper? Mais il est moche. Hein. Voilà, comme ça c'est fait. D'ailleurs, j'ai même pas regardé la carte. Oh, Dieu. Ouais. Ouais, ouais. Il nous faut aller là-bas au centre. Ouais, mais attends, il y a. Il y a 3 points. C'est quoi, on va... Ouais, on va. Ah oui, pour sacher les 3 espions. Pour le plus près de vous. En haut. On fouille sans droit, va être un monstre. Ouais. Vengeance. On va tomber que sur lui maintenant. Marvel a pas de quartier, l'autre il m'a trop fait chier. Bon. Ouais, comme ça c'est fait. Ah, on a d'ailleurs lui on veut. 166 d'XP, ça sera. Ennemi en vue. Dois-je l'éliminer, chef? Affirmatif, nous avons sur l'op. Ne laissez aucun intrus pénétrer cette zone. Et vous, plus un geste. Je vais taper le serpent. Oui. Je pensais faire un peu plus de dégâts au champi. Au champi, ouais. Je vais pas lui faire grand chose. Mais je l'aurais bien amoché. Oh, c'est toi qui tapes. Avec mes un pauvre HP, je survis tant bien que mal. Je m'auto-tuais. Ouais. J'ai bien fait, t'as bien fait de faire à Colam. Donne-moi la radio. 532. Par contre, je vais me soigner. Ouais. Poste de commandement d'Uru, vous me recevez. Ici le poste ouest. Nous sommes en difficulté, nous nous replions au lac. Vous me recevez? Satané appareil. Ils ont jamais rien qui marche. Hein. Ouais. Comment on se retrouve? Je vois que tu aimes toujours autant botter les fesses des belles autos. Carlos, je cherchais partout. Je crois que tu n'as pas assez bien cherché, partenaire. J'ai commencé à m'inquiéter pour toi, tu sais. Parce que j'ai pris ce qui t'est arrivé au narval, tout ma. J'ai bien cru que nous ne reverrions jamais. C'est une longue histoire. On ne demande pas ce qui lui est arrivé, hein. Ça va être long. Ouais. Le temps presse, tu me diras plus un autre jour. Parfait. Le contact de la résistance m'a mis au courant du plan en cours. Je ne sais pas grand chose, elle m'a seulement dit. Lorsque la voie libre rejoint le bélier à la gorge nord-ouest. Ah. Je
Je n'ai rien compris. Ça te dit quelque chose? Oui, j'étais chargé de m'occuper des belles autos dans le désert. Tu as fait du bon boulot. Je vais pas te poser de questions. J'imagine que la résistance a mis au point sa propre suite. Nous devons faire de notre mieux pour les aider. Toujours su que c'était la bonne décision. Cela dit, je ne pensais pas que nous retrouvions au beau milieu d'une guerre à Kizibu. Ah. Travail est terminé, je retourne à Ouhou. Nous renverrons bientôt. Tu sais, l'ami, c'est de loin l'affaire la plus difficile que j'ai jamais eu à gérer. Et je reviens de loin. Super. File. Ah putain, je crois que je tape, ça m'ouvre le pass. Bon, je vais en mettre 3. Ah, ça y est, je me suis remis. Quand on va en haut, en bas à droite ou en haut? En bas à droite. En bas à droite, bah allez, go. Il faut bien regarder si ça brille quelque part. Hein. Ouais. Enfin, si on doit fouiller le désert. Il a pas l'araignée, je crois. Non. Non, je l'ai pas. Je vais déjà one shot l'autre en face. À chaque fois que je vais en croiser un, je vais lui faire sa tête. Je sais pas ce qui pourrait lui faire descendre un peu sa vie. Électrique, je crois que c'est pas très. Ouais. Ouais, prison Tesla, c'est pas très efficace apparemment. Attends. Bah, je te laisse attaquer, moi je lance une carte dans le doute. Oui. Dans le doute. Ça me fait pas les mêmes caprices que l'autre, ça pourrait aller. Quel. Oh, ah bah voilà, hop, l'affaire est grandement menée. Et ah, là, c'est construction. Un peu plus, hein. Ouais, la même chose que toi. Ça va pouvoir changer ça. On doit y avoir moyen d'avoir mieux. Suivant les temtem et tout. Je te laisse Pico. Ouais ouais. Quel plaisir. J'ai une dent contre ce truc. Il m'a tellement bousillé de cartes. Ça lui fait aucun dégât. Oui. La glace, c'est pas mieux. Ah, il est gelé. Ah. Regarde, là, on a réussi enfin le geler. Oui. Après 40 000 attaques. C'est la première fois qu'on mangeait là. Comme tu te restes un HP. Ouais. Soigne-toi ou bien. Ouais. Oh, tu peux le soigner au prochain tour. Oh, coup de tonnerre. Tu vois, je vais changer orage pour coup de tonnerre. Ah mais orage ça fait des dégâts aux deux. Ouais. C'est pas mal hein. Non je crois que je vais pas prendre coup de tonnerre. Je pourrais le changer plus tard en vrai. Ce se ressemble pas, c'est que je. Un espion va rester en se débarrassant de nouvelles. Avant qu'elle ramène ses potes. De nos potes pour vous dérouiller. Oui. Ah, celui en face de toi il va faire chier. Par contre, t'as un HP. Ouais. Ça.
tape, de toute façon il est cuit. Autant taper. Hein. Ah putain, c'est moi qui l'ai tapé. Ouais. Oh la chatte que t'as eu. Ouais. Non. Je pense que. Ça fait quand même un peu de dégâts. Hein. Bon bah là, t'as fini. T'es réglé. Ah, t'as pris lui. Ouais, mais je l'ai. Dis-moi si tu fais du dégât à l'un ou à l'autre avant que je tape. Ouais, bah au sidepat, je suis en vert. Ok. Tape sidepat. Ah, c'est bon, il y passe. Ouh. Ah mais il est empoisonné. Ah les deux. Oh, bah il m'a attaqué. J'ai bien fait de pas avoir enlevé orage. Ah tu tapes lequel? Tape celui que tu veux, je vais taper les deux. Je perds un peu de vie, mais ça va aller. Oh, c'est le même pompeuse là. Merde, Tesla est rinté. Je peux lui mettre un bon. Si nous allons me buter. Oh, tête de Dieu. Il faut prévenir le général, la résistance veut s'emparer du désert Tazan. Bah oui, non, bah on veut, hein. C'est on va. Va. C'est bon? C'est bon pour moi. Bon bah, il faut qu'y aller en haut, hein. Moins qu'on... Ah bah non, c'est fermé. J'allais dire, on peut déverrouiller un peu, tu sais, le truc un peu sur la droite, mais... Par contre, il y a un centre de soins à gauche. Bien, on y va. Bah c'est ouais. J'ai. On est faire une. Utilise. Oh. C'est quoi ce truc? Un kangourou? Un wapi? Taper avec ça, il a l'air d'être planté. Il va pas prendre des dégâts. Tape le pas au pire. Hein. Ouais. Ouais, ouais. Ouais, tu vois. En rien du tout. En vraiment rien du tout. Par contre, moi, il me déchire. Attaque. Alors, je passe mon tour si tu lui fais une attaque. Ouais. Wow, ok. Toi, faut pas que tu tapes. Non. Honte. Ah, c'est celui-ci, justement. Je fais pas de dégâts avec mon Nesla. Il va le one-shot, de toute façon.
quand même en vrai. Oh, pas mal. Ça c'était bon. Parfait. Juste ce qu'il fallait. Ça brille en bas. Ouais, oui. Mais faire un tour pour descendre. Ah, un kangourou. Je te laisse le taper. Oui. Et tu me... Ouais, je vais one shot le pico. Comme ça, lui, il ne fera rien du tout. Ouais, ça va. Mettre un petit coup de pied. Oui. Oh, ça fait rien du tout. Ah, vas-y, capture le riz. Mais non, plus. Oh, il s'est mis KO carrément. Non, d'accord. Non, il s'est mis KO tout seul. On a vraiment la poisse. Hein. Et par contre, mon Gazuma il est au 58 là. Tu veux quand? Attends. Ah là, il y a les soins. Là, on peut récupérer une fiole complète. Puis faire des achats. Quoi? Attends. Qu'est-ce qu'il a dit? Non, pour la dernière fois, je ne vends pas de... Il fait une mitraillette. Ah. C'est que des potates. Il y en a qui dit action, se trouve le Kansas, mon pote. Des revigorants, je pense, je vais en prendre 10. Je suis pas riche, mais. Oh merde. Bah, combat facile. Combat ultra facile. Petite même pas, je passe mon tour. Ça XP, ça XP. Doucement, mais sûrement. Ça brille. Oh, un endommagé. T'as de la chance hein. Ouh. Oh, deux. Pas genre de bêtises. Bah je vais taper celui qui est en face de moi. Ouais, si je lui mets deux aqualames, ça devrait passer. Ah non mais non, ça passera pas. Il va se faire mal. Il va se faire trop mal. C'est moi. Pourquoi moi? Subterfuge bloque les techniques offensives multi-cibles. Oh. C'est plutôt pas mal. Bon bah nickel. Subterfuge aussi. Ouais bah ils ont la même chose. Mais c'est bien parce que même quand tu les captures, tu prends de l'XP t'as vu. Ouais. Juste devant le truc, ça. Pour un endommagé. Donc, c'est carrément plus. Êtes-vous l'agent de la résistance? Oui, vous avez des renseignements. Mais t'es sûr, le général va m'offrir une belle récompense en échange de vos temtem. Ah, t'as inventé. D'accord. Il a rejoint le camp ennemi. Oui.
fais full verte sur le tien. Ah bah vas-y, moi je vais faire du rouge. Ah bah tape l'autre. Ouais. Ah effectivement. Et one shot. Oh pas mal. En plus de poison. Avec légèrement un petit peu plus de niveau, c'était du one shot. Ouais. Désolé, mais j'essaye de m'en sortir. Voilà. Ouais. Bah ouais, bah ouais. On s'est jamais vu d'accord. Il propose quelque chose de mieux. Mais y a elle là. Puis-je vous aider? Tenez le coup. Essaye d'éviter les enteurs. Il ne faut pas qu'ils réquisitionnent notre assise et toute la région. J'ai fait un pas. Même pas regarder quel type il était. Il aurait conduit. Il aurait pu être empoisonné avant. Sur un feu. Ouais, mais poison, j'étais en rouge. Ah, encore pire. Ouais. Attends, mais on peut passer tout droit là. Ouais. Il y a combien de grottes là? Une, deux, trois, quatre. Il y a une quatrième entrée sur la gauche. Qui est en haut et plein de lieux à fouiller. Ouais. Bon, bah, petit montons. Alors attends, Rigo. Je vais y penser avant. Je vais juste faire une petite chouille pause. Ouais, ouais. Deux minutes. Je vais me mettre devant le. Oh. La merde. Oh putain. Mais tout de suite. Ah, ils veulent pas, hein. Je vais aller voir, il était de quel type aussi. Bah, tu veux voir? Oh non, mais c'est pas possible, ah, je fais trois pas. Juste devant la. Oh putain, mais c'est eux. Ah, c'est ça. Focus. Hein. Allez, même pas. Hein.
oui, ça tape les deux, mais toi, ça a pas d'effet sur toi. Il a plus de toxique. Par contre, ça a de l'effet sur moi. Et je suis ouais. Mon. Empoisonné. Mais elle est pas mal cette attaque parce que je crois après il chope esquive. Ouais. Ouais, et du coup, c'est pratique. Je sais pas si on peut la mettre sur tous les types poisons ou c'est spécifique à tel thème poison. Et rien à tuer. Hein? Je sais pas si ça fait mal contre les Temtem Terre. T'as vu le fil? Ouais. Ah, il est terre et nature. Ouais, c'est pas mal, hein. La foot, ça a pas trop d'effet contre lui, hein. Et une attaque là, c'est chaîne de guérison. Et ça soigne 20% des PV, mais de 3 temtem. Peut-être dans les sens des habiles du monde. Ouais, donc ça soigne même l'ennemi, quoi. Ouais, obligatoirement, il y a un ennemi qui est soigné. Profites-en pour refaire tes petits achats. Tu as des achats à faire. Ah, tu l'as pris? Non, mais au cas où, si je le prends un coup, au moins il aura des. Je sais pas si on pourrait trouver un truc où il y a la zone, t'as les zones des temtem. Je crois que... un truc comme ça. C'est dans quel lieu ils sont et tout. Comme le sur le Pokédex, tu sais. Ouais. Si on sur Temtem France on peut trouver. Ah ok. Bon à savoir. On partira à la chasse au Temtem manquant. Ouais. Même pour les. Truc droïdes numériques. Ça doit être dans la dernière zone. Bah même pas spécialement. Ouais, je suis prêt. Tu veux qu'on aille plus haut? Le tel temtem que notre ouais. Notre ennemi est là, il se trouve à 6 points cul dans les rivières. Quoi? On y est passé? Ouais. Non, 6 points cul c'est où? Si si on y est passé. Bah non on y est pas allé, c'est à Denise, à
Omnisys, Tukmak, Izawa. Si Pankou, je crois pas qu'on y soit encore allé, hein. Ah non. Ouais. Ah non, on n'y a pas encore été. On a vu la map, elle me dit rien. Ce serait donc les deux dernières maps. Ouais. Et moi, c'est bon pour moi. Bah allez. Direction le nord. Et ça brille. Et je te TP. Oh. Oh putain, et encore celui-là. Non, non, poupette. Oh, poupette. Ah oui, ma petite poupette. Oh, oui. Excellent, ça fait juste une tête sur ta cam. Une petite tête qui arrive. Bon bah, je tape. Ah, c'est pas fait. C'est toi qui l'as focus. Ah oui. Tant mieux. Ah non, voilà. Mais moi, ils me font trop mal avec leur poison. Moi j'ai pas faire 40 allers-retours, c'est mort. Ah, oh, il a eu mon macola. Ah, il m'a pété le pied. Ça va. Je mettrai des baumes, j'en ai acheté. Magique. À nous le nord. Derrière le mur. Est-ce que... Oh parfait. Voilà, tu vois que c'est un membre de la résistance, on s'en fiche, cette zone est réservée aux membres des Bellesto. Écrasons-le. Mais ils n'ont pas vu que j'avais la même tenue qu'eux. Ouais. Autant il y en a ça. Ça c'est une fois. Ouais. Oh putain, je te laisse taper. Ah, mais non, mais toi aussi, ça va être. Ouais. Je vais quand même taper le piaf parce que je vais lui faire x2, x4, je crois. Moi je me suis un petit coup de poison. Je pensais à mieux quand même. x2 là. What? Ah mais les deux sont empoisonnés. Ouais. De toute façon il y passe le... l'oiseau. Avec le poison, mais... Et l'autre... Ouais, l'autre. Je vais mettre un stalactite de glace. Je sais pas si ça lui fera effet. Voilà. On aurait peut-être dû taper le pire aussi. Bon, ça fait pas de dégâts, ça. Faisons avoir... avoir raison, lui. Je sais pas si je pourrais faire refaire une attaque de... Non.
Non, je peux pas. Tu peux faire une attaque de glace. Bah non, ça sert à rien. Pour le chien? Non, ça sert à rien. T'as Aqualam. Fais-lui Aqualam. Ouais. Voilà, comme ça. Lui, il est tombé. Est-ce que l'autre poison là? Je perds un peu de vie. Je vais le faire quand même. Oui. Il est joli comme ça le Toxolot. Ouais. Et forcément avec la résistance sonne l'alarme 774. Oh, let's go. Le secteur est censé être sous contrôle du Bellesto. Dans ce cas, il faut prévenir le QG. Dès le dernier, je crois que les troupes de résistance vont pouvoir passer par le désert de Tassa sans que le général ne s'en aperçoive. Je dois pas relâcher mes efforts. Adia m'a dit de la rejoindre à la gorge au nord-ouest pour la suite de l'opération Bélier. Alors attends, la gorge au nord-ouest, c'est à gauche. Et il y a une quête juste avant. On y va? Oui. Il y a un Temtem sur la route. Des slimes. Colam, ça marche. Ça lui enlèvera la moitié de sa vie. Ah oh, bah moi en fait. Oui. C'est moi qui focus. Ah elle est gelée. C'est parfait. Les attaques de glace de filet, ouais. Ça dégèle. Mais à quoi l'âme? Ouais, pas mal la combinaison avec les deux glaces. Hein. Bon, ouais, là, ouais. D'habitude, je vous aurais bien offert le thé et des dates, mais ça n'est pas possible en ce moment. Je comprends. Les jours heureux nous attendent. Oui, j'espère. Un jour, nous serons de nouveau libres. Soyez prudente. Revenez lorsque la guerre sera terminée. Ah, et ça brille. Que lui on le one shot. Oui. Non, ça, c'est à prévoir. Oui. Mon petit dragonnet. Bon, je vais quand même lui mettre un coup de glace. Oui. Ça y fout endommagé. Ah ah. Encore.
vais se mettre une attaque ici à l'autre. Ouais. Bien, Poto. Ouais, combat. Bon, ah, t'es prêt. Hein. Allez, allez, viens de battre là. Des questions. Je me pose même pas la question. Oh, tu as baissé sa vitesse. Hop, hop. Hey, 65 hein, quand même. Ouais. X2. C'est pas grand chose, mais là, c'est pas cool. Il fait mal, hein. Comme. Il y a un petit jet d'eau, histoire de rincer un peu. Bon, d'accord, vous êtes avec la résistance, vous vous débrouillez bien. T'as par la résistance, c'est plus... il est un peu radin lui. Hein. Mm-hmm. Ah, voilà un volet ici. Capitaine nous informer de l'aide que nous apporter. C'est un honneur de vous voir à nouveau à bord. Voilà. Pour nous revoir, vieille branche. Sentiment partagé. Le capitaine nous a prévenu que vous participez à son opération secrète. C'est un honneur de vous accueillir à bord du narval flambant neuf. Sain et sauf par la Ciaro et le soulagement. Ah, quelle mouche vous a piqué. Débarque et vous abandonnez vos postes pour lui dérouler le tapis en rouge. Au travail. Arrête de distraire mon équipage. Alors, tu as réussi à t'occuper de ces espions, moi? Ah oui, vous faisiez quoi? Je sais qu'il y a une autre zone d'atterrissage. J'ai passé le narval jusqu'ici sans nous faire repérer. Rassembler les informations auprès des tribus de désert. Organiser la seconde phase de l'opération Bélier et préparer mon équipage. Oh. Je ne pas rester ici à tirer au flanc pendant que tu nettoyais le désert. Capitaine Colli et ses hommes se sont cachés près d'Ourou. Attendent notre signal. Bas dans la ville, Carlos a repéré l'endroit parfait pour un parachutage et. Génial. Pour l'opération Bélier, le retour du narval. Mathieu et moi-même allons utiliser ce petit bijou pour nous infiltrer. Juste l'armée des autos contre nous trois. On presse les belles autos. Les belles autos enverront bientôt d'autres espions dans le désert. Nous allons déplacer le narval jusqu'à l'emplacement indiqué par Carlos. Nous infiltrerons dans la ville et vers les lignes ennemies. Nous ne pouvons pas laisser le narval au-dessus de la ville indéfiniment, il faudra faire vite. Nous déplacerons si c'est possible dans Uru. Et où aller? J'ai hâte. Ouais. Faire quoi, hein? Ça fait aucun doute. Aucun doute. Enfin, à vrai dire, nous allons plutôt ouvrir discrètement les portes. Et dès qu'ils recevront notre signal, ce sera garde du capitaine Colli de prendre d'assaut porte de la ville. Et nous rejoindrons les troupes de résistance, ils battront jusqu'au bout pour renverser les belles autos. La bataille d'Ourou nous attend. Si on réussit, ouais.
300. Et notre objectif final de la capture de leur général. Et parvenons, nous serons débarrassés des belles autos pour de bon. Oh. Ma confiance, fouleur de terre, aujourd'hui marque la fin des autos. Au calazo. Je sais pas ce que ça fait. Pour toi et reviens lorsque tu seras prêt à romper. On est prêt, hein. Ah oui, hein. On a notre thème en PLS, mais on a envie de... Oh putain de merde. J'ai pas envie de faire demi-tour juste pour les soigner, quoi. Ouais, non. Tant qu'on revienne, on cher. Après, on peut toujours faire fuite en vrai. Oui, après. Ouf. Pas grand chose. À moins qu'il y en a un qui nous soigne par là, tu vois. Oh, je pense, oui. On va prendre le narval. Un instant. Voilà. Plaisir de vous revoir. Super travail d'équipe. Nous revoilà en selle à risquer nos vies pour mener à nouveau ces gardes de Vulpi à bon port. J'en ai vu des choses à bord du dirigeable, mais jamais une chose pareille. C'est tout. Je me souviens de la prison. N'en parlais pas, la tambouille était incroyable. Et le dernier me repart l'opération visible. On ne fait qu'attendre. On ne fait pas attendre le capitaine et est très remonté. Moi je voulais des soins. Tellement ennuyé quand Kemal m'a dit que vous rendiez à Kizawa, le Silaro se louait, vous êtes en vie. Un peu, ouais, vous n'êtes plus. Je prépare pour l'opération, l'équipe jamais rencontré le confort, et voilà. Qu'on part en guerre, c'est incroyable. Non mais faut vraiment qu'on soigne. Hein. Mais y a rien pour soigner ici. Hein. Ouais. Je crois qu'il va falloir retourner dans le désert. Hein. Ah. Ah, merde. Un combat. Bien le pied. Ouais. Il s'en fout. Allez, deuxième. Ça aussi, c'est abusé. C'est un truc qui est vraiment abusé. Pourquoi t'as tapé le mien? Oh. Ils vont mourir, non? Oui. J'ai fait une grosse attaque. Ah oui, c'est un qui attaque avant. Bah ouais, oui. Bon. Mais là, heureusement qu'il a fait l'espèce d'attaque reflet là. Ah, faut qu'on soigne. Ouais. On a pas le choix là. Bah, un coup de fiole, hein, sinon. Bah ouais, mais si on doit l'utiliser la fiole ouais, par la suite plus tard. Ouais. Après on peut utiliser du repousse hein, pour aller là-bas aussi. Hein. Oui, c'est vrai qu'on a le repousse. Parce que... Non mais on est con, hein, y a les fumigènes. Ah oui. Là directement. Hein. Tu veux l'utiliser? Allez, en plus j'en ai 16. Vas-y. Ah, parfait. Putain.
Oh merde. Avant d'en repartir, j'ai passé un coup de toilette. Ah, de suite. J'ai mis un truc qui repousse. Ça repousse rien du tout, hein. Bah pareil. Je vais peut-être en mettre un aussi. Ouais, peut-être en mettre deux. Oh, t'embête pas, de toute façon. On est bientôt en haut. Là, tu vois, on est arrivé. Ouais. On est arrivé. Ah, attends, pas fuite là. Ah. Ouais, boy. Ouais, c'est one shot. Un petit peu, hein. Ouais, je laisse parler à la commandante. Alors, donc feu vert, allez, c'est parti. Monte sur le pont. Désarmage des narvals, officier en second, opération bélier est lancée. Désolé, gagne un petit coup. Y'a pas un chat. Mauvais pressentiment. Courage. Silence. Il ne manquerait plus qu'on se le fasse prendre avant d'ouvrir ces portes. Suivez-moi et attention de où vous mettez les pieds. Toujours mauvais pressentiment. Oh, ils sont sérieux? Bélier et Narval. Attendez, je ne pensais pas que vous seriez plus que trois pour être. Pas le temps de bavarder, quelle est la situation? Mais Jason s'occupe de distraire les belles autos. Vous pouvez passer, mais faites vite, on ne pourra pas les tenir éloignés encore longtemps. On vous couvre, dépêchez-vous.
Si tout ça ne passe pas comme prévu, vous pourriez toujours trouver refuge ici. Vive la résistance. Vive la résistance. Mmh. On y va, direction les portes. Putain, on pouvait soigner notre totem ici. C'est vrai qu'en y réfléchissant, ça m'aurait paru bizarre qu'on puisse pas les soigner. Ouais. Bon bah, on va se barrer. Alors attends, ouvrons la map. Savoir quand même où on atterrit. Ouh. Ah bah on atterrit sur la troisième partie. Ah, y'a encore des trucs à droite. Je pense qu'on pourra y aller après. Ouais. Et là, faut qu'on ouvre les portes en bas. Descendre en bas tout droit, ouais. Et ok. Bon bah let's go hein. Et qui va là, mon sang révolue, neutralise le problème. Bravo révolue. Oh là là, t'as pas assez joué à Spin of Zen, mais t'as le gars. Taper celui de droite hein. Ouais. Ah le tien là, bah wa. Ah ouais, je lui fais du dégât, les trucs chauds. Ouais bah. Je crois, je suis pas sûr. Oh c'est un haut donc. Ouais mais il est haut et blanc. Ouais. C'est pas trop ça quoi. Je attaquer Baba Wa, fait du dégât avec le poison. Merde, excuse-moi. Non, là, il m'aime vraiment pas. Là, il m'aimait pas. Devant le capitaine, je vais m'assurer qu'il n'alerte pas ses petits camarades. On se retrouve de l'autre côté. Vas-y. Attends. Je vais juste modifier un truc dans l'équipe. Hop, hein, voilà, c'est bon. Vous n'êtes pas à l'attaque, donc ça ne réfléchit pas. Hein. Ouais. C'est direct là. Peu importe lequel je tape, tu vas taper lequel toi? N'importe. J'ai besoin d'aide. Il y a des 180. Pas d'aide. Je vais devoir le surveiller. S'il donne l'alarme avant que nous ouvrions la porte, l'opération Bélier sera un échec. Tout repose sur toi. Ouvre cette certaine porte. Nous sommes tous fichus. Allez, passe devant. Nombre que faire.
Baston. Je me reste pas de coûte que coûte. Ça. Ah, un bal belge auto. Résistance, vive qui y voit. Intrus, attrapez-le. Parfait. Merci Musa pour le moment où... Ah, c'est le moment où jamais d'utiliser ce levier. Oh, alors voilà elle. Alors évolue sur toi, évidemment que c'est toi, le chouchou du professeur, le président du club des losers et maintenant la marionnette de la résistance. Donc l'emballe d'auto et crado. J'aurais mieux fait de rester à l'académie. Il est temps pour moi de te donner une bonne leçon. Pourquoi je ne mangerai pas mes coups. Pas de bonne omelette sans casser quelques œufs de Temtem au passage. Coiffure est débile. Non, la tienne. J'ai entendu parler du shampoing. Je vois que tu veux en face des tonnes. Au fond, tu adores laisser duel au sommet, pas vrai? Alors prépare-toi et suis un échec cuisant. Oh bah go. Oh, j'ai pas mon baboum. Non. Ça. Ouais, pareil. Bon bah on va taper chacun celui qui est en face de nous. Ouais. Ça va toi? Ouais. Ah moi ça va un peu moins. Ouais. Ça lui fait rien. T'aurais redû l'empoisonner. Ouais. Wow. Wow, c'est quoi ce truc qui m'a fait l'autre un Kamehameha là? Mission gamin. Ah, on a pris cher. Oui. J'ai revigoré, j'ai soigné tout de suite un de mes... Ah ouais, mais 3 tours empoisonnés hein. Ah oui. Ça c'est mal pour lui hein. Ah parfait. Comme ça je vais m'en occuper. Ouais. Un petit aqualam. Ah non. Non. Si, vas-y. Si si parce que tu lui feras plus de dégâts qu'au pire. Lui il risque de faire mal. Oh putain, ça lui fait mal. Oh non, c'est là. Tu veux lui faire du dégât, non? Bah, je crois pas. La Nesla? Ouais. Je sais pas. On va tester, hein. C'est pas trop ça, hein. Oh merde. Ah putain, je... J'ai oublié ça. Moi ça fait pas je crois. Sur moi ça. Va être compliqué. Tu veux taper ou je tape? Je vais taper, soigne-toi, je vais mettre un aqualam sur le Turvin et l'autre façon vu qu'il a des attaques électriques Oui. Ça va être bénef.
soit tu soignes, tu mets un baume, soit tu en raisins, tu en fais revivre un, peu importe de l'équipe, la mienne ou la tienne. Ouais, ça serait mieux que je reski. Je sais pas, réellement, je sais rien. Ouais, je Cristal peut être pas mal aussi. Galice ? Ouais, ouais. Et je le mets celui-là. Il y avait Tantal, après, mais... il y a le... Ouais, il y a son numérique, là. Ah, mais regarde, là. Ah si, ça me régène aussi. C'est tout bénef, donc faut focus... tu vois, le Zobian, ouais. Là. Lui, ah le focus. Ouais, il a... Si l'autre, il nous fait des attaques électriques... Ah, je peux lui mettre une attaque de glace. Ouais, moi aussi. Ah, ça me tient un petit peu de HP, mais... Ouais, c'est pas grave, vas-y. Parce que si on le gèle, il... Ça va pas... Ouais. Oh, d'accord. Oh, bah. Ah bah là, c'est tout bénef. Oh là là. Bien joué. Bien joué, la strat est bonne. Ouais. Pour l'instant. Et là, lui, s'il refait une attaque électrique... Oh bah, parfait. Oh, bah. Merci. Robert, Robert, c'est beau. Et on le garde. C'est notre soigneur. Maintenant, focus. Repose-toi. Si t'as, tu peux pas attaquer moi. Ouais, moi je suis éreinté de toute façon. Donc. Comme ça. Là, toi t'es beau ça. Oh, comment il le cartonne. Oh. Mais il reste plus. Et ben. Il met un petit quoi là. Moi je vais me reposer. Il faut. Non, repose-toi, repose-toi. Ouais, allez. Oui, ouais, bah, de toute façon. De toute façon, il lui reste pas grand chose à faire à part. Tu vois, repose-toi encore, vas-y. Hein. Oh bah, voilà. Magnifique là. Il m'a donné de coups de vie. Repose-toi encore un coup. Afin de récupérer carrément toute ton énergie. Ah, on peut se reposer en... Ouais non, ça fait un... La glace. Ouais. Oh, c'est rouge hein, sur lui. Ah oh, oui, bah ah. Dans tous les cas... parce quoi que ce soit, ça va être rouge. Ouais, ça va être rouge. Surtout pas perdre. Ouais. Ah mais là, regarde. Ah, on va le... Ouais. Il va être gelé. On va être gelé. Hein. Ah, je suis quand même réglé. Aqualam. Impeccable. Voilà. Ouais. Stratégie de malade là qu'on a eu. Surtout qu'il nous a remis full life hein. Ouais. Moi à sa place j'irais pleurer. Ouais, tonnerre. Je l'ai pas pris parce que orage est mieux. Ouais. Ouais. Il y a moins, peut-être un peu moins, elle demande, mais orage, elle frappe les deux. Ouais. C'est plus efficace, hein, vraiment. Je vais pas de photo pour voir ici à faire quoi. MBS. Ouf. Oh, 2028, ah, oh, elle nous met tellement bien, elle. C'est simplement perdre ton temps pendant que les autres sonnaient l'alarme. Est-ce que tu vas bien pouvoir faire contre l'armée de Belzotto au complet? Moi, oh, rien. Mais eux. Et en revanche. Vive la résistance, vive Kiziwa. Tu vas le regretter. Max, foutu. Abat le Belzotto, libérant Kiziwa. En tout, frappez vite et fort, nous devons les arrêter avant qu'ils ne puissent organiser leur défense. Général X. Ah. Oh. Ah bah on, le on gros le méchant. Enfin. Oui. Mmh. On est capable. Comment ces sauvages ont-ils réussi à escalader les murs sous votre nez? Merde, la résistance a entré dans l'enceinte de la ville. Ils ont ouvert les portes. Les portes sont ouvertes. C'est inadmissible, je devrais tous vous faire enfermer. La terreur aurait fait mieux de...
a fait de meilleur officier que vous, bande d'idiots. Ne regardez pas avec ses yeux de Pewi. Pewki, Free. Allez, réparer vos bêtises. Battez-vous jusqu'au bout, même si vous devez y laisser la vie. Et général. Battez sourd en plus. Reviens pas avant que tous les sauvages aient été neutralisés. Tuez-les s'il le faut. Les tuer, général? Mais comment? Comment les tuer? Comment peux-tu prétendre me servir sans avoir fait. Sans savoir faire quelque chose d'aussi fondamental. Ma parole, notre boss ou Lady Lottie a bien pu voir en toi. Et général, nous avons des Temtem et les Temtem sont des bêtes sauvages par nature. Machine devant quelques gouttes de sang, soldat. Prépare-toi et envoie ces sauvages dans les tréfonds du loin dessous. Peut-être qu'ils préfèrent retourner te cacher dans ton petit dojo. Une poule mouillée. Je n'ai pas de temps à perdre avec des faibles. Vous avez un ordre. Bah voilà, on a fait le taf. Impeccable. Membre de la garde en avant, ne relâchez pas vos efforts. Profitons de notre avantage, ne laissez pas filer, encouragez vos Temtem direction le terminal de dirigeable. Vous êtes blessé? Tu vas bien. Ça va. Hein. Tant mieux, nous aurons besoin de toute l'aide possible. Nous sources, le général organise ses troupes au terminal de dirigeable plus haut. Nous devons le capturer avant qu'il ne s'enfuit, le temps presse. Et... Alors attends, regardons la map. Ah, nous c'est tout en haut, faut aller. Hein. Ouais. C'est full ligne droite. Ouais. On va peut-être passer se mettre un petit coup de soin, hein. Oh, ouais. Ouais, si, ouais. Où? Ouais, si. Il y a du monde. Non, mais auto viendra. Aujourd'hui, ça va être votre fête. Ouais, tout ça, c'est bon. Au. Y'a quoi là? Sur les deux, peu importe. Ouais. Pas mal lui, haut électrique quand même. Ouais. Ah, ouais, c'est franchement pas mal. Hein. Je te laisse achever celui qui est en face de toi. Ouais. Fait la même technique pour l'autre. Ouais. Marre bien cette technique hein, quand il y a un Esla en face. Allez hop, un petit peu de gel. Regarde, hein, t'aurais pu faire un oral. Maintenant ouais. Il peut pas, premier tour. Ah oui. Ouais. Voilà, si tu veux, tu passes ton tour. Hein. Ouais. Si t'as plus d'énergie, je sais pas. Ouais, non, de toute façon, ouais, je suis. Voilà. Magnifique. Bon, je vais me reposer encore. Tu peux faire une glace si tu veux, ça va te geler, mais. Ouais, je vais passer. Sinon, il fait regard mort. À quoi là. Ok. Il aurait pu me régénérer moi le salaud. Bah ouais. J'avais moins de vie. Oh, mais attends. Pas grave. Ah, je fonds le. J'ai envie de faire une attaque électrique.
Tiens, j'y avais pas pensé. Bah ouais. Oh, ça brille. Tu veux qu'on fasse quoi? On s'arrête là, on reprend tout à l'heure? Bah ouais, on peut. Ça serait pas mal, ouais. Ouais. Comme ça, on est plutôt bien. Bon, je vais faire ma petite fin. Ouais. Et j'arrive. Bon, pour cet après-midi, on est pas mal. Bon, du coup, ça fait un live un peu plus petit que les autres sur Temtem, ouais, 3h30. C'est pas mal quand même. Retour qui passe avec. Bon bah du coup, mais on se retrouve à partir de vers 8h à peu près tout à l'heure. On a le temps d'aller manger, faire nos petites templates. Et je vous dis à tout à l'heure. Ciao ciao.